parle beaucoup du temps d'écran que les adultes et les jeunes passent devant leur tablette, téléphone, ordinateur. Et là, c'est intéressant, Alain Laforêt nous apprenait ça. Vous avez vu la présidente des jeunes caquistes, là, Mme Aurélie Dieppe, qui y va d'une proposition assez osée. Merci, là. Écoutons-la. On se sent vraiment comme les cobayes, dans le sens qu'une utilisation qui a été faite, qui n'a pas été encadrée, puis là, on se rend compte, maintenant qu'il y a des effets sur notre sommeil, maintenant qu'il y a des effets sur notre socialisation, puis sur notre concentration, on se dit, hop, faudrait peut-être agir. 16 ans, c'est l'âge où tu peux avoir ton permis de conduire, c'est l'âge où tu peux décider de lâcher l'école si tu veux. Donc, pour nous, 16 ans, ça faisait du sens. C'est là que tu as la maturité, ou c'est une plus grande maturité, du moins, pour utiliser les réseaux sociaux. Donc, pas de compte sur les réseaux sociaux pour ceux qui ont en bas de 16 ans. Joël, maman, mère de famille que tu es, t'en penses quoi? Bien, moi, je sais, oui, je suis préoccupée comme maman, l'utilisation des médias sociaux, pas seulement pour le temps d'écran, mais aussi et surtout pour tout le marketing de masse qui est poussé sur les médias sociaux. Là, on regarde les petites filles de 12 ans qui parlent juste de Sephora puis de produits anti-âge. Ça n'a aucun sens. Mais je suis contre interdire. Mais je suis contre interdire l'utilisation. Pour ma part, l'applicabilité... T'es contre? Pourquoi? Ben oui. Mais non, mais comment tu veux appliquer ça? Même si tu demandes un peu comme les sites porno ou des affaires comme ça, que tu dis, est-ce que vous avez 16 ans? Mettons, on demande à un parent, le parent va aller voir, il va dire, est-ce correct, ça, pas 16 ans? Tu sais, l'applicabilité est très difficile, premièrement, selon moi. Puis là, à un moment donné, là, tu sais, le gouvernement, maman, je trouve ça un petit peu intense. C'est comme si on est rendu, il faut tout interdire. Dès qu'il y a un problème de société, un problème de santé publique, on interdit. Je comprends qu'il y a un enjeu, mais on peut-tu commencer par une consultation publique, une commission parlementaire, où est-ce qu'on implique les jeunes, qu'on regarde un peu l'éventail des solutions? Là, on a regardé ce qui se passait en Floride, en France. C'est très inspiré des projets de loi français, là, soit dit en passant. Mm-hmm. On se dit, bon, bien, on va interdire. C'est ça la solution. Mais pourquoi on ne contrôle pas les compagnies comme Meta et tout ça, qu'on leur interdit pas de mettre de la publicité, justement, ciblée sur des jeunes? Parce que c'est ça qu'ils font, là. Penses-tu que la faisabilité de ça est réelle? Stéphane, t'en penses quoi, toi? Bien, moi, je pense d'abord, il faut voir de qui parle le débat. C'est une jeune, puis je trouve ça beau, là. Si ça avait été le premier ministre qui l'avait parti, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, c'est une jeune qui se dit préoccupée de ça. Qui a et son argumentaire se tient quand même, là. Exact. Elle est solide. Moi, je le constate, là, puis je l'écoute, puis je vois qu'on a affaire à quelqu'un qui nous dit, entre autres, bon, les effets sur le sommeil, c'est réel, là, tout ça. Donc, c'est bon. Le remède qu'elle propose, lui, comme Joël, je pense que c'est impossible qu'on puisse arriver à une interdiction. Mais il faut faire le débat. C'est le temps de le faire. C'est le temps de le faire avec des experts, de voir les côtés négatifs, les côtés positifs, parce que j'en parlais avec ma fille tantôt, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, en disant, quel effet positif, tu sais, la socialisation, il y a quelque chose de bon, là. Quelqu'un qui est sa côte nord, qui est transgenre, puis qui n'a pas beaucoup de monde comme lui, comme elle, peu importe, ou comme... Là, à ce moment-là, il y a moyen, finalement, de retrouver du monde que tu ne trouverais pas autrement. Donc, il y a des effets bénéfiques, mais les effets négatifs, je pense, aussi, de façon intuitive, on pense qu'il l'emporte. Alors, on n'est pas dans l'interdiction, on est dans quoi? Fait que qu'elle lance le débat, moi, félicitations. Je pense qu'il faut le faire maintenant. Gaëtan. Ah ben exactement, c'est ce que j'allais dire, la même chose, parce que, tu sais, il y a 15 ans, là, quand les réseaux... Ben, je dis il y a 15 ans. Mettons, il y a 15 ans, au début des réseaux sociaux, il n'y en avait pas de littérature scientifique là-dessus. Puis au fil du temps, il s'en est développé, évidemment. Ouais. Et c'est fascinant, quand on lit cette littérature-là médicale, de voir à quel point on a de plus en plus de données vraiment solide, démontré, des études prospectives à double insu qui documentent l'effet sur pas juste le développement du cerveau, mais aussi sur les apprentissages, l'attention, même la personnalité. Écoute, ça va même, là, dans certaines études, jusqu'à atteindre le quotient intellectuel d'un individu en le baissant naturellement, pas en l'augmentant. Alors, il y a une science qui s'écrit au moment où on se parle et au moment où cette jeune dame-là viens nous faire cette proposition-là, elle est exactement à la bonne place, au bon moment, dans le sens de faisons le débat. Mm-hmm. Ayons la conversation. Ouais. Maintenant, ce qu'elle propose, je ne le vois pas, moi, comment on peut l'appliquer, mais peut-être que, et je plaide ici, pas peut-être, je plaide l'ignorance, là, peut-être qu'il y a des moyens d'appliquer ça, mais je vois ça difficilement. Mais par contre, la discussion, le débat,
Il faut le faire. Mais je vais reprendre un propos de Stéphane il y a un instant. Ouais. Si François Legault avait présenté ça, ça n'aurait pas passé. Mais je rappelle François Legault s'était un petit peu pas mal moqué de la proposition de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui allait exactement dans le même. OK, c'est ça. C'est ça. Okay, alors, Gaétan, il y a peut-être des solutions. Surveille ton téléphone et les algorithmes. Si ce n'est pas des produits de beauté, tu auras peut-être des idées, justement. Pour. Écoute, moi, j'ai été traumatisé là, parce que là, Sephora, j'ose pas y aller. Je vais me mettre à avoir des publicités là-dessus. Je vais penser qu'il y a quelque chose à régler. Ha ha ha.